c'est un monument de chez nous, que vous devez bien retenir. Avançons. C'est un monument. C'est l'héritage que nous laissent nos parents. Là, vous voyez la plaque. Ministère de l'éducation de base. Délégation régionale du centre. Délégation départementale du Fouli. Inspection d'arrondissement de Yaoundé 4. Nous sommes à Yaoundé 4e. Nous ne sommes pas ici dans un village. Et on dit quoi? École maternelle publique. École maternelle publique. Allô Foucault, envoie-nous des cordes. Allô Foucault, prépare-nous des cordes. Donkolo 2. Voilà. Dans le quartier, c'est Donkolo 2. Donc, vous regardez l'école maternelle. Regardez l'école maternelle en plein centre-ville de Yaoundé. Les petits-enfants, la maternelle, c'est les petits-enfants de pratiquement 2 ans, 3 ans. Ce sont eux qui doivent fréquenter ici. Dans ce que vous voyez là, regardez. On va faire le pourtour hein, de ce monument. C'est un monument. Voici le pourtour. Voilà. Voilà le bâtiment. Là-bas, c'est. Ici, ce sont des toilettes là. Pour ces petits enfants de 2 ans, 3 ans. Voilà leurs toilettes. Voilà. Allô, Foucault, envoie-nous des cordes. Allô, Foucault, prépare-nous des cordes. Voilà, c'est ici que tous ces enfants doivent. Bon, on va se placer ici pour que vous regardiez bien l'intérieur. Vous allez constater que. Il s'agit bien d'une maternelle. Voilà, voilà. Là, regardez. Ça, c'est la maternelle, ça. En plein Yaoundé. Je vais vous dire la suite tout à l'heure, vous allez comprendre. Ça, c'est la maternelle. On va faire le pourtour de cette place. Regardez les charançons. Ah, on va arriver. Voilà, maintenant, on va essayer par un tour de vous présenter l'intérieur de la salle de classe. Voilà. Voilà, voilà la maternelle. Et voilà le directeur d'école que vous pouvez apercevoir là. C'est le seul directeur qu'on a trouvé sur place. Montre le directeur qui est là. Voilà, c'est le directeur. C'est lui qui joue le rôle de directeur et de maîtresse et tout. Voilà, voilà la salle. Voilà. Ça, c'est une salle de l'école publique, école maternelle publique. Voilà, comme vous pouvez le constater. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que pendant que vous regardez la salle, pourquoi on vous amène ici? Parce que cette école est déjà construite sur les papiers. Voilà, vous m'entendez? Elle est déjà construite sur les papiers. C'est une très belle école sur les papiers, avec une très belle salle sur les papiers, comme vous pouvez regarder. Je crois que, pour qu'ils voient bien, il faut bien leur montrer ici. Voilà, ce côté-ci. Voilà. Non, là-bas, voilà. Voilà, ça c'est ce que nos enfants de l'école primaire, école maternelle, apprennent. Voilà, c'est dans ces conditions qu'ils apprennent. Le directeur est là, bien couché. Voilà, c'est lui là-bas au fond. Vous l'avez vu, le directeur de l'école maternelle, lui d'Onkolo, Onkolo 2. Voilà. Bon, vous allez constater qu'il n'y a que le ciment. Il n'y a que le. Voilà, il y a une maîtresse qui est couchée en bas. Voilà, il y a le directeur, il y a une maîtresse qui est couchée sur la table là. La maîtresse même a faim aussi. Voilà. Et puis vous allez voir que le ciment, c'est seulement au milieu là. Après, plus rien. Comment les enfants peuvent vivre dans un tel endroit? On va contourner, on va faire le pourtour. Voilà. On va faire le pourtour. Bon, alors, vous voyez que il y a ici un bloc de parpaing. En fait, quelqu'un a gagné un marché et a déposé le bon parpaing. On a livré, c'est déjà livré, l'école est déjà construite. Il y a des belles salles. On sait que tout est fini. Et les parpaings que vous voyez ont déjà mis du temps parce que c'est une école qui est déjà construite depuis. Hein? On a livré, le prestataire a pris l'argent, il a livré depuis et voilà la livraison. Voilà, il a déposé ça et c'est ça. On va faire le pourtour. Voilà. Voilà, c'est livré. Le poulailler de mon village n'est pas comme ça. Pas doucement.
regardez. Les monuments historiques, s'il vous plaît, c'est historique. Voilà. Vous voyez? C'est pour les petits enfants de la maternelle, ça. Enfants de la maternelle, c'est historique. Vous voyez? Vous voyez ça? Voilà. Nous sommes à l'école maternelle publique d'Onkolo 2. Alors, cette école est déjà livrée. C'est-à-dire qu'on a déjà, conçu des belles salles de classe sur les papiers. Quelqu'un a pris l'argent dans les caisses de l'État, ils sont partagés et on a dit c'est livré. Mais ce sont nos enfants qui méritent ça parce que c'est tel que vous voyez là, ça fait des années. Et j'en profite pour attirer l'attention de M. Etundingwa qui vient d'être nommé à l'éducation de base. Monsieur le ministre, voilà le ministère que vous héritez. C'est-à-dire que cette école en plein centre-ville de Yaoundé a déjà été construite depuis des années. L'argent est sorti des caisses de l'État. On a construit des très belles salles de classe. Là voilà. C'est ici que doivent fréquenter les petits-enfants de la maternelle, 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans ces conditions. Donc, on tenait absolument à vous présenter ce monument historique de notre pays. C'est un monument historique. Des monuments pareils, nous en avons partout au Cameroun. On aura le temps de vous présenter des choses qui sont déjà terminées sur les papiers, qui ont été livrées sur papier, mais qui n'ont jamais bougé d'un pouce. Donc, c'est un monument historique. On voulait partager ça avec vous. Et je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 14h. N'oubliez surtout pas, à partir de 14h, je vais vous montrer ce qui peut...